Ruth Morgan, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui les Lunishmat, Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Rachel Sefraim Ben Masivra, Zara Ben Mazaltov, Shishportish, Gakov Ben Blanche Rajaj, Chemeli Ben Shalom Nouski. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, ça fera pas de mal aux caisses du 5 minutes. Si, et nous commençons aujourd'hui, Baba Batra, Perekret, Mishnah Bet, Seder Nachalot Kahu, Ish Kiyamut Uved Enlo. והעברתם את נחלתו לביתו, בן קודם לבת, וכל יוצא ירחו של בן קודמין לבת, בת קודמת לאחין, יוצא ירחה של בת קודמין לאחין, אחין קודמין לאחי האב, יוצא ירחה של אחין קודמין לאחי האב, זה הכלל, כל הקודם בנחלה, יוצא ירחו קודמין, והאב קודם לכל יוצא ירחו. Avant de lire et traduire, on va expliquer juste deux, trois principes, c'est-à-dire deux règles qui sont en fait trois, sur lesquelles se fonde toute la Mishnah en fait. Dans la première Mishnah, on avait appris quels parents sont aptes à hériter. Maintenant, bien sûr, vous imaginez bien qu'il y a des niveaux d'héritiers prioritaires devant d'autres. On va donner priorité à un fils avant de faire hériter un cousin. C'est logique. On va expliquer maintenant dans notre Mishnah selon quel ordre on va désigner qui est l'héritier prioritaire. Sur ça, il va y avoir deux principes qui vont en fait faire trois. On expliquera pourquoi, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que ça va faire trois. Mais tout d'abord, principe simple, tout d'abord, génération, on va du bas vers le haut. C'est-à-dire, les enfants héritent prioritairement avant les parents. Une personne qui décède, si elle a des enfants, on donne aux enfants et on ne va pas donner à ses parents. S'il n'a pas de parents, alors ça va se passer comme ça. On va remonter une génération chez le père. Si le père n'est plus là, on va donner aux frères. S'il n'y a pas de frères non plus, on expliquera ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de frères, mais il n'y a plus du tout, c'est un fils unique. Alors on montera une génération supplémentaire chez le grand-père, et on ira chercher s'il reste des descendants. Et sinon, on montera chez l'arrière-grand-père, on ira chercher s'il reste des descendants, et ainsi de suite. D'accord? On remonte une, c'est-à-dire on commence avec en bas, les enfants. Il n'y a pas, on remonte une, le père. À partir de celle où est-ce qu'on est remonté, on redescend. On n'a toujours pas trouvé, on remonte une génération. S'il n'est plus là lui-même, le grand-père, alors on va chercher maintenant s'il lui reste des descendants. Si on n'a pas trouvé, on remonte chez l'arrière-grand-père, et on donne ensuite aux descendants. D'accord? Ça veut dire que si une personne est là, son arrière-arrière-arrière-grand-père qui est vivant, et un cousin de deuxième niveau qui est présent, ce sera le cousin de deuxième niveau qui sera présent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un arrière-grand-père commun, et l'arrière-grand-père, lui, il hérite prioritairement avant son arrière-grand-père. Or, de cet arrière-grand-père, il va lui rester un petit-fils, un arrière-petit-fils, qui est son cousin de deuxième niveau. De ce fait, on fera hériter à l'arrière-cousin avant de faire... vous aurez pu dire a priori, mais non. On se sent beaucoup plus proche avec son arrière-arrière-grand-père parce que c'est une lignée directe. Malgré tout, ça ne se passe pas comme ça parce qu'on remonte toujours. Un, et on va chercher les descendants. On remonte un, on va chercher les descendants. Ça, c'était le premier axiome. En fait, il y en avait deux dedans. C'est-à-dire, tout d'abord, je donnais l'ordre de priorité. Les enfants, avant de remonter. Une fois qu'on remonte, on remonte un d'abord et après on descend. Et après, on remonte encore un et on descend dans les arbres généalogiques. Ouais. Maintenant, deuxième règle, les garçons avant les filles. Dans les héritages, dès qu'il va y avoir, dans une famille, dans une fratrie, un frère et 17 sœurs, 25 sœurs, le frère l'emportera sur toutes les sœurs. Parce que le frère, lui, c'est lui qui continue la famille, dans tout le sens du terme, tout l'héritage spirituel et tout ça. Donc, on donne priorité aux garçons avant les filles. Les filles, elles vont se marier avec des étrangers et... ça continue plus la famille, elles doivent adopter les minagim de son mari, c'est plus la même chose. Peut-être pas la peine de donner non plus trop de raisons pourquoi la Torah a décidé de le faire, en tout cas c'est le principe. D'accord? Ça donc c'est les deux axiomes. Selon quel ordre, quelle génération on va préférer, le bas avant le haut, et de comment est-ce qu'on remonte ensuite? On monte un et on descend, on monte un et on descend, on monte un et on descend. Maintenant, sur ça il y a une règle qu'il faut toujours comprendre, qu'il faut bien assimiler, qui va intervenir à tous les niveaux, c'est que à partir du moment, lorsque je désigne un héritier prioritaire, si lui-même n'est pas là, mais qu'il lui reste une progéniture, même après une cinquième génération ou une douzième génération, ça s'appellera que je considère qu'il y a encore
l'être qui, l'héritier prioritaire qui est là. Je m'explique, on va prendre un cas un petit peu bizarre, un peu étonnant. On va se retrouver avec Yaakov. Oui, une règle importante aussi, je voulais le dire, c'est de connaître la famille de Yaakov, Avraham, Isaac, Yaakov, ses 12 tribus, la sœur qui s'appelait Dina, et un petit peu les enfants de Réhouven, avec bien sûr le frère de Yitzhak, qui était Ishmaël, et le frère de Yaakov, qui était Esav. C'est un exemple qu'on rapporte beaucoup dans tous ces paquets pour pouvoir parler, de savoir de quoi on parle exactement, comme ça au moins on comprend tout de suite de quel niveau on parle. Il faut s'y habituer, c'est simple. Avraham, il a eu 2 enfants, Yitzhak, Ishmaël, Yitzhak, il a eu 2 enfants, Yaakov, Esav, Yaakov, il a eu 12 tribus, Esav aussi, il a eu ses enfants, là-bas, il y avait, on va retenir Eliphaz, celui qu'on va rapporter de manière générale. Yaakov, il a eu 12 tribus et une fille. Il a eu 12 enfants et une fille, il avait Dina. Et maintenant, on va parler souvent de Réhouven, par exemple. C'est fréquent, alors on va le rapporter. Hanor, Falou, Hetzron et Carmi, c'est les enfants. D'accord, c'est la fratrie, la famille à connaître, comme ça c'est plus facile pour se repérer et parler. Ce sera rapporté dans le Barthénois. Vous avez sûrement dû remarquer qu'on a un Barthénois gigantesque aujourd'hui. Ce sera facile, je vous prépare déjà tout de suite le terrain. Maintenant, je reviens maintenant sur la règle que j'étais en train de vous dire. Principe très important. Lorsque je vais donner priorité à une personne, soit Yaakov qui décède, il a un garçon et une fille. Réhouven et Dina. Dina, c'est sa petite fille chérie, qui l'a aidé pendant qu'il était vieillard, elle était là à ses petits soins. Et Réhouven, bon, c'est le fils. Maintenant, si Réhouven lui-même, il a quitté ce monde. Et les enfants de Réhouven aussi, ils ont déjà quitté ce monde. Mais il reste à Réhouven une arrière-petite fille. Alors je pose une petite question. Qui est prioritaire? Sa fille Dina ou son arrière-petite fille? Fifi, et bien sachez que c'est l'arrière-petite fille qui sera prioritaire. Pourquoi? Parce que l'arrière-petite fille, elle représente Réhouven. C'est un reste de Réhouven, donc on considère que Réhouven est encore vivant. Bnei Banim Arem Kebanim. Donc, par l'intermédiaire de ses arrière-petits-enfants, on voit qu'on a encore Réhouven qui est vivant. Or, Réhouven, il est prioritaire sur Dina, c'est Réhouven qui l'emporte. On a tout dit ce qu'il y a écrit dans la Mishnah et ce qui est marqué dans son Barthénora. Et maintenant, on commence en le traduit. Seder Nachalot Karhu. Tel est l'ordre de priorité des héritages. Et on ramène le pasouk qu'on a lu hier. Ish ki yamut uven enlo. Lorsqu'un homme décédera et qu'il n'aura pas de garçon, alors ve'avartem et nachalato levito, vous ferez passer, vous lèguerez son héritage à sa fille. Et de là donc on déduit la première règle. Ben kodem labat. Le garçon est prioritaire sur la fille. Dès qu'il y a un garçon, on ne fait plus hériter la fille. La fille n'hérite que s'il n'y a pas du tout de frère, ni même de descendant de frère. Alors là, on donnera l'héritage aux filles, elles se le partageront. D'accord ? Ben Kodem Labat. Le garçon est prioritaire sur la fille. Vechol Yotzei Erechosh El Ben Kodmin Labat. Et tous les descendants, toute la progéniture, à inclure les petits-enfants et les petits-enfants du garçon seront toujours prioritaires devant la fille. Ok, on a déjà dit les deux principes déjà. Donc lorsqu'on va chercher d'abord l'héritier le plus prioritaire, qui est la première génération, les enfants, là-bas, on donne priorité au garçon avant la fille. Et dès qu'il va y rester une descendance du garçon, même s'il s'agit d'une fille, ils seront toujours prioritaires face à la fille directement. D'accord? Ensuite, on passe maintenant au deuxième ordre de priorité. Il n'y avait pas de garçon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, bat kodemet l'achim. La fille sera prioritaire sur les frères du défunt. D'accord? Même sur le père, même par rapport au père du défunt, ce sera la même chose en réalité. Dès qu'il y a une fille, donc c'est elle l'héritière, il n'y a pas de raison de partir chercher un autre héritier. Elle est directement la continuité directe. Direct du père. Yotze yerecha shel bat kodmin l'achir. Maintenant, selon le même principe, toute la progéniture de la fille sera toujours prioritaire face au frère du défunt. Si un défunt, donc on va rester avec Yaakov et Esav, et Yaakov n'avait qu'une fille qui s'appelait Dina, et cette Dina, elle a eu une fille qui a elle-même eu une fille, qui a elle-même eu une fille, il reste une petite fille par Dina. Cette arrière-petite fille, par l'intermédiaire de Dina, sera toujours prioritaire sur le frère de Yaakov et Sav. Pour quelle raison? Parce que ça reste encore la progéniture directe, les enfants, qui sont prioritaires sur tous les frères. Ensuite, on continue. Achin kodmin leyachei ha'av. Il y avait là-bas, cette fois-ci, c'est Réhouven le défunt.
Réhouven n'avait pas d'enfant. Alors, et il n'y avait pas non plus Yaakov de son vivant, il faut le rajouter, c'est pas écrit dans la Mishnah, mais on le déduit, c'est logique. Yaakov, il n'est déjà plus de ce monde. Réhouven, maintenant, a des frères, il en a 11, et il a à part ça un tonton, Esav. Alors la Mishnah nous enseigne, c'est simple, Achim, Kodmin, Leachéab, les frères sont prioritaires sur les frères du père, sur les oncles. Yosei Erechan, Shel Achim, Kodmin, Leachéab, selon le même principe. Maintenant, si de ses frères, ils sont tous partis, ils ont tous quitté ce monde, mais il leur reste à eux-mêmes des descendants, alors on leur donnera à eux plus que de donner à l'oncle. Pourquoi ? On va d'abord, une fois qu'on a cherché en bas, qu'on n'a pas trouvé, on remonte d'abord une génération chez Yaakov, et de Yaakov, on vérifie qu'il ne reste plus du tout d'enfants. Et s'il reste un enfant même, une très basse génération, ils seront toujours plus prioritaires que le frère de Yaakov et Esav. Ok ? Zéaklal, telle est la règle. Kol akodem benachala, yotzei recho kodmin. Tout celui qui est prioritaire dans les héritages, donc un héritier prioritaire, yotzei recho kodmin, toujours sa progéniture, ses enfants, ses descendants, seront toujours garderont sa priorité face à n'importe quel autre héritier. Même si de prime abord, on est beaucoup plus direct, on a un rapport de lien beaucoup plus fort avec son oncle, plutôt que derrière avec l'arrière-petite-fille du frère qui est décédé il y a 60 ans. Malgré tout, ça reste comme ça. D'accord ? Ve'a'av kodem lechol yotzei yericho. On avait remarqué déjà depuis le début de la Mishnah qu'il avait disparu le père. La Mishnah nous le dit malgré tout. Le père est le prioritaire sur tous ses yotzei yericho, sur toute sa progéniture à lui, c'est-à-dire sa progéniture à lui et pas du défunt. Soit le Yaakov, si c'est Reuven le défunt, il sera toujours prioritaire face à ses 11 autres fils. Par contre, il ne sera pas prioritaire face aux enfants de Reuven, Hanor, Falou, Chetzon, Garmi, il ne sera pas prioritaire sur eux, parce que cette fois-ci, c'est plus Yotzei Recho, puisque c'est le Yotzei Recho du défunt. D'accord ? On a lu, traduit la Mishnah, on a tout compris pour le prochain. On a un très long Bartanora, on va le faire très rapidement pour le prochain, on a tout compris. Tout celui qui est prioritaire, un héritier prioritaire, sa progéniture sera elle aussi prioritaire. Et si, il nous explique un peu mieux la règle, et s'il ne va plus rester à cette personne, de la progéniture, alors dans ce cas-là, on ira chercher son père à telle personne. Dès qu'on va trouver un niveau d'héritier, lui, il est maintenant prioritaire, alors on va toujours dire, ben d'accord, viens, on vérifie s'il lui reste, et s'il n'a pas, on remonte un étage dessus. Keitzad, maintenant, on explique mieux. Reuven Shemet, Reuven décède. Chanor Ufalu Chetzron Vekarmi, Banav, quatre enfants, Chanor Ufalu Chetzron Vekarmi, dans la Torah, Yorshin Oto, eux doivent l'hériter. Si l'un de ses enfants, son Chetzron, il est décédé avant que Reuven lui-même ne décède, ve'ahu ben iniach ben, obat, oben ben, obat ben, oben bat, obat bat. Donc, Reuven avait quatre enfants, Chanor, Falou, Chetzron, Karmi, lui, Karmi, Mshet, il est mort, mais lui, il lui reste soit un enfant, une fille, même un arrière-petit-enfant. Celui qui restera ici tout en bas, il représentera en fait Karmi, et donc il héritera en même temps avec ces trois-là. D'accord ? Principe clair. Admea adorot, même jusqu'à 100 générations, Irash bimkom aviv benirse aviv Reuven. Il pourra hériter dans la part de son arrière-grand-père, avec ses frères, d'accord ? Ouais, on fait ça dans les mots. Irash bimkom aviv, il héritera à la place de son père ou de son grand-père, ou arrière-grand-père, benirse aviv Reuven, dans les biens qu'aura laissé Reuven. Veitol kechad mimne Reuven, il prendra comme un des frères des enfants de Reuven directement. Veimane Reuven banim, velo bene banim. Maintenant, à partir de quand on va aller chercher sur une autre branche, c'est dans le cas où el Reuven banim, velo bene banim, veaflo bnot banim. Excusez-moi, on va pas encore partir dans une autre branche. On va cette fois-ci donner priorité. Maintenant, on va expliquer les filles de Reuven, si toutefois il en a,
Si toutefois, il ne reste aucun descendant des garçons de Réhouven, mais il ne reste que des filles, alors, Ve'aflo benot banim, az yorshot benot Réhouven et Réhouven. Alors, dans ce cas-là, hériteront les filles de Réhouven, leur père Réhouven. Ve'imen Réhouven banot, ve'lo bené banot, ve'lo benot banot, ve'ad sauf kol ha'dorot. Et si maintenant Réhouven ne lui reste plus rien, ni des restes, ni un garçon ou des restes de garçons, ni une fille ou des restes de filles, walou, rien du tout, le pauvre. Az Irach Yaakov et Réhouven Beno. Yaakov, le père de Réhouven, héritera de son fils. Vimen Yaakov Kayam, et si Yaakov il est plus de ce monde, Yirshu et Réhouven, et Yirshu et Réhouven, Echav, Bne Aviv, Shimon Aviv, Yoda Yosef et Choule. Donc, si Yaakov il est plus de ce monde, alors dans ce cas-là, on va voir, est-ce qu'il lui reste des enfants à Yaakov, ou ce que ça revient à dire finalement, est-ce que Réhouven il lui reste des frères? Veimenan Kayamim, maintenant si ces frères-là ne sont plus de ce monde, eux non plus. Yirshu et Réhouven, Bnei Shimon, Benavi, les enfants, la progéniture de Shimon et Lévi, de ses frères, l'hériteront ses neveux. Veim Elaem Banim, Velo Bnei Banim, maintenant s'il ne reste plus des garçons, ni même des petits-enfants, oh, Azirshu Bnoteyen, ce seront les filles, s'il va rester même de Lévi, une fille, ce sera cette fille-là qui héritera tout. Car dans toutes les deux partout, on voit toujours cette règle, le garçon, le masculin, hérite en prioritairement face à la fille. Maintenant, si tous les frères de Réhouven sont décédés sans progéniture, tout simplement, il était fils unique, Réhouven. Dans ce cas-là, enfin, la fille, sa sœur de Réhouven, Dina, pourra l'hériter. Obanea, Obnebanea, Obnotea, Obnotea, ses filles, ses petites filles, ses petites filles, de cette fille-là, Al-Sof, Aolam, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des générations. Ve'imen la Réhouven Achot, Ve'lozer Achot. Le pauvre Réhouven, il ne reste plus personne de sa famille. De toute sa fratrie, il ne reste plus personne. Ni lui, il a des enfants, ni ses frères, ni même des restes de ses frères. Et bien sûr, son père, il a déjà décédé. Alors qu'est-ce qu'on fera? Tachzor Yerushato Le'avi Aviv. Alors, son patrimoine, enfin son héritage, quoi, ira chez Avi Aviv. On remontera deux générations dessus maintenant. On a cherché depuis Yaakov et toute sa progéniture, on n'a rien trouvé. On remonte jusqu'à Yitzhak, des Aïnou Le'Yitzhak. Et là-bas, Ve'imen Yitzhakaya. Maintenant, si Yitzhak, il n'est plus de ce monde, lui non plus, il est décédé. Tachzor Yerushato Le'Esav Ben Yitzhak. Alors, il devra donner, on ira chercher cette fois-ci, si Esav, il reste vivant, chez où Achi Aviv, chez Réhouven, qui sera le frère du père de Réhouven, Vimen Esav Kayam. Alors, si Esav lui-même, il est mort, Tarzor Yerushat Réhouven, et Eliphaz Ben Esav, on donnera l'héritage au fils de Esav, qui est Eliphaz. Olebanav, Velivne Banav, Olivnotav, Velivnot Benotav, Batsov Koladrof, ou à ses enfants de Eliphaz, à ses filles, aux filles de ses garçons, aux filles de ses filles, on trouvera toujours quelqu'un. Vim en achim le aviv shel Réhouven, velom ibne ibneyen. Maintenant, s'il ne reste aucune progéniture du père de Réhouven, et ni de ses enfants, Tarzan et Rochette Réhouven, le achot aviv olevanea. Alors, l'héritage de Réhouven ira cette fois-ci chez la sœur de son père. Si Yitzhak il avait une, si plutôt on était encore chez Yaakov, donc si Yaakov il avait une sœur, alors on ira voir cette sœur-là et voir si chez elle il lui reste une progéniture. On ira voir, comme tout ce qu'on a dit, chaque fois on ira chercher, dès qu'on trouve une personne, on va et on scrute qu'il ne reste plus personne d'aucune génération là-bas. Maintenant, s'il n'y a plus rien chez le père de Réhouven. Lo Achim, il ne lui reste ni des enfants, ni des frères, ni des sœurs. Alors qu'est-ce qu'on fera? Lo Achim, Velo Bne Achim, Velo Achot, Velo Bne Achot. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Tarzor Yerushat Réhouven, l'Avram, Avi Aviv. Dans ce cas-là, Réhouven donnera son legra, donc sa part, son héritage à. Donc on a dit, Yaakov, il ne reste plus personne, ni lui, ni ses enfants, ni les frères de Réhouven. Yitzhak, on n'a rien trouvé. Alors on remonte cette fois-ci chez Abraham Avinu. Et Abraham, lui, s'il n'est plus là, on ira chercher chez ses enfants, donc chez Ishmaël et toute sa progéniture. C'est peut-être là pour ça que nos cousins, ils veulent forcément tous nous zigouiller pour obtenir l'héritage, je ne sais pas.
Vechen leolam ad Adam Arishon, et on remontera ainsi de suite leolam jusqu'à même Adam Arishon. Ensuite, la dernière phrase de la Mishnah, c'était juste de préciser à quel niveau je place le père. Alors il nous avait dit Ha'av kodem leolam leachei ha'av velivnehem. Le père sera toujours prioritaire lui-même sur ses frères ou sur les enfants de ses frères. Ve'achéav kodmin le'achot ha'av, ok. Ve'achéav, ve'achot ha'av kodmin, et les frères du père et les sœurs du père seront prioritaires. On peut sauter toute la parenthèse. Le'avi avi ha'av. Donc, le frère du père, pour rester sur Reuven, le frère du père, ce sera Esav, il sera toujours prioritaire, plus que le avi avi ha'av, que l'arrière-grand-père qui sera Abraham. Soit Reuven décède, et il restait deux parents, un qui s'appelait Esav, un qui s'appelait Abraham. Abraham, c'est son arrière-grand-père, donc c'est le père du père du père, tandis que Esav, c'est juste le frère du père. Alors Esav sera prioritaire sur Abraham. Et on a fini la Mishnah. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.